Et là, on attend le premier adversaire, le premier pugiliste. Big Fat Seb! Je me mélangeais tout le temps. Maintenant, je l'appelais Best Friend Seb. Et maintenant, il m'a accoté dans le mur. Il aimait vraiment pas ça. Donc, je vais l'appeler Big Fat Seb. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis ici à venir lutter chaque semaine devant vous. Puis je trouve vous manquez de respect. C'est pas compliqué. Quand j'arrive ici, que j'embarque dans ce ring-là, vous vous levez debout puis vous m'applaudissez. Hey, toi tu pues de la gueule, tu devrais te la fermer. Je m'en vais fermer vos yeux pendant que je parle, merci. C'est simple, les dirigeants me manquent de respect. Les commentateurs en haut me manquent de respect. Ils sont même pas capables de dire mon nom comme du monde. C'est pas compliqué à dire, Big Fat Seb. On m'a fait venir un gars de Hawkesbury, le petit gibier. À ce soir, je vais y aller à Christine Bonne. Big Fat Seb n'est pas ici pour se faire des amis. Hein? Un gars que j'évite le plus possible backstage. Toute une attitude, tout un caractère, comme on dit. Smir, petit gibier! Je crois, ben, il était censé venir, je crois, en janvier, si je ne m'abuse. Il n'avait malheureusement pas pu. Non, c'est l'automne dernier, je crois. Et puis, c'est ça, il n'avait pas pu se présenter. C'était blessé dans un gala de Jacques Ojo, si je ne m'abuse. J'étais là, d'ailleurs, c'était au gala Millennium Micro en septembre dernier. Excellent lutteur! J'ai hâte de voir l'opposition qu'il va apporter ce soir parce que, contre Big Fat Seb, parce que Mathis Smith, petit gibier. Hey, j'aime ça dire ça. Petit gibier. Maudit que c'est le fun. Donc, c'est ça. Et c'est un gars qui fait de la haute voltige. C'est un gars qui est très rapide, contrairement à Big Fat Seb, qui, lui, c'est une force brute. Donc, ça risque d'être un combat très intéressant. Oh! Là! Mathis Smith, petit gibier, qui va de coups de pied, deux coups de poing, mais là, ça fait pocher dans le coin. Ouf, éviter de justesse. Wow! Hey, hey, hey! Big Fat Seb qui est déjà au tapis, et là, la foule est derrière Mathis Smith. Un type très, très, très charismatique. Vous voyez, les gens le connaissent presque pas, mais ils sont déjà... Wow! Et là, Maxime Tremblay... Non! Big Fat Seb qui a utilisé Maxime Tremblay comme protection. Ich! Coup de pied au visage dévastateur!
je pense que le pinch de Matty Smith a revolé dans la foule. Et là, ça va pas bien pour notre petit gibier. Il se fait étouffer carrément avec le deuxième câble. Gracieuseté de Big Fat Seb. Je fais attention pour le dire comme il faut. Atémi qui n'a pas porté beaucoup ici. Là. Oh, si le oui, par exemple. Oh, 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 oh là là! Et là, on veut tenter une souplesse arrière. On soulève, petit gibier. C'est réussi. Très belle souplesse. Très bien exécutée par Big Fat Seb. Deux. Compte de deux ici. Big Fat Seb qui étranglait carrément petit gibier. Big Fat Seb qui projette Matty Smith dans les cordes. Ouf. Yeah, rabattement directement au tapis. Le tombé. Deux. Ouf. Ça va prendre plus que ça pour battre petit gibier Matty Smith qui en a vu d'autres. C'est quand même un lutteur qui a de l'expérience. Il était de c'est pas son premier barbecue. Et là, la foule qui est vraiment derrière, le petit gibier. Oh, des beaux atémis ici, mais... Ah! Revirement ici. La force, hein? Big Fat Seb. C'est pas un petit bonhomme. Très, 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 très fort. En plus, il est grand, il est gros, il est intimidant. Bref, c'est tout un contrat ici pour Matty Smith. Et là, qu'est-ce qu'elle prépare? Wow! Évitez ici! Attention! Revirement ici! Oh! On ramène la tête! Avec un DDT renversé! Et là, Matty Smith, petit gibier qui a besoin d'appui de la foule ici. Il n'a pas eu facile depuis le début du combat. Cède plusieurs livres à son adversaire, donc c'est pas évident. Écoutez la foule est en feu derrière petit gibier. Et là c'est Big Fat Seb qui vient de se faire recevoir dans le coin du ring. Revirement. Attends, oh! Coup de pied au visage de Matty Smith, très bien exécuté. Belle savate directement du troisième câble, est tombé. Un, deux, et tire. C'était proche. Pas à peu près. Et là, Matty Smith, petit gibier qui demande l'appui de la foule, sans que l'or pourrait avoir peut-être accès à la victoire, veut monter sur le troisième câble. Moi, si j'étais lui, j'attendrais pas trop. Pas besoin de l'approbation de la foule. Parce que là, ça donne le temps à Big Fat Seb de se relever, éviter. Ouf! Et là, bien! Ah, il y a de l'action dans ce combat-là. Coup de la corde à l'aile, j'ai tombé. Deux. Oh, là aussi, c'était proche. Et là, oh, Big Fat Seb qui s'en prend directement à Maxime Tremblay. L'accuse d'avoir compté trop lentement. Et là, le compte est bon, mais moi, si j'étais Big Fat Seb, et voilà, je ferai attention à Matty Smith parce qu'il peut rebondir n'importe quand. Tenter de l'amener dans un petit paquet ici, mais non. Bon, bon travail ici de Maxime Tremblay qui vient de s'apercevoir que Big Fat Seb utilisait le câble. Deux et trois. Et là, Big Fat Seb qui s'est fait prendre à son propre jeu par petit gibier. Matty Seb, des fois, quand tu veux tricher, c'est le genre de choses qui t'arrive. W
belle victoire ici de Petit Gibier, Mathis Smith, qu'on espère revoir très, très, très bientôt ici à la lutte AWE. Nous a donné un excellent spectacle et la foule est derrière lui. Chic type, charismatique. On veut le revoir. Bref, vous regardez le gala High Voltage 184 de la lutte AWE, directement ici du 1531 Boulevard Tadoussac, ici à Chicoutimi-Nord. C'est comme ça d'ailleurs, tous les vendredis soirs, on est sur Twitch, mais vous pouvez venir ici, écoute, ça coûte presque rien, la bière est presque donnée, il y a de l'ambiance. Encore ce soir, on a une grande, écoute, il y a beaucoup de monde.